Alors Valentin, on n'est pas bien là? Tonnons les bains. Ah ouais, on est bien. En même temps, c'était pas évident, hein. 4 jours avant, j'étais encore à La Paz en Bolivie, à plus de 10 000 km. Je t'avoue qu'on n'y a pas cru non plus. Et puis même moi qui me suis blessé 3 semaines avant, j'ai jamais cru que j'allais y arriver. Et pourtant, on était là. Et on n'était pas tout seul, on était même très bien accompagnés. Et ouais, parce que la fine équipe nous a rejoints. La fine équipe? Je parle de Louis et Albert là. La semaine d'avant, ils s'entraînaient dans l'Ubaï, ils ont monté tout l'école. Ouais, et de mon côté, j'étais carrément désentraîné. C'était quand même pas gagné d'avance, hein. Mais pourtant, on a quand même réussi à se retrouver sur la ligne de départ, à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman. La ligne de départ pourquoi? Pour l'un de nos plus grands périples, à vélo, la route des Grandes Alpes. La route des Grandes Alpes, mais ouais, t'as raison. 700 km. Et 18 000 mètres de dénivelé, tout ça en 9 jours. Ça marche, donc on part demain. À quelle heure? Bon, pas trop tard. 7, 8 heures. Bon ok, il va faire chaud demain, on va dire 8h30. Avant de partir, je te propose qu'on aille faire un petit tour en ville. Bah oui, parce qu'il y a quand même un monument à voir absolument pour toute personne qui veut entreprendre la route des Grandes Alpes. Tu parles de l'église? Mais non, le point zéro. Ah, le point zéro, mais oui. C'était indispensable de passer par là avant de commencer. C'est vrai, je crois qu'on y a passé une petite demi-heure. Oui, facile. Puis ensuite, bah, il a fallu se lancer. C'était assez émouvant. Allez, on est parti. Combien de kilomètres aujourd'hui? Eh ben, pour la première étape, on commençait gentiment avec 91 km et environ 2000 mètres de dénivelé en Haute-Savoie. Ouais, dans la moyenne des autres étapes, quoi. Mais en tout cas, c'était une bonne façon de prendre la température pour la suite du parcours. Et ben, en parlant de température, il a quand même fait super chaud ce jour-là. Ouais, tu m'étonnes. En plus, je venais d'être catapulté en été en revenant de la Cantilière des Andes. Du coup, on attaque plein sud en direction des Gets. C'est quoi le premier col de la journée? Ben, le premier col, c'est le col des Gets. Mais pour y arriver, j'ai pas trouvé ça super émouvant, perso. Une grande route, un peu de trafic. Si la route va se passer comme ça, pas génial, hein. Et pourtant... Mais, Hugo, t'as rien oublié, là? Mais non, j'oublie jamais rien. Et tes bidons, ils sont où? Bah, sur mon Ah, mais non! Oh non, on peut pas faire demi-tour, j'ai oublié mes bidons au gîte. Mais non, c'est trop tard, on est parti, on en rachètera au col des Gets. Eh bah, dis donc, ça commence bien. Allez, tu vas passer le col, quand même. J'espère. Le col des Gets, c'était clairement une bonne mise en jambe, à peine plus de 1100 mètres d'altitude, une bonne pause au sommet et ensuite on descend sur Cluses et la vallée de l'Arve. Un col assez roulant, on est arrivé assez rapidement au sommet. Et j'ai trouvé des bidons, ce qui m'a bien aidé pour la suite de la route. Et ensuite, la longue descente direction la vallée de l'Arve pour le déjeuner. Et la première descente aussi. Et la première descente. Allez, première pause déjeuner. Et elle est importante celle-ci, parce que juste après on attaquait le col de la Colombière. J'ai assez mal encaissé le déjeuner de mon côté. Et puis c'est surtout que ce qui venait derrière n'était pas une simple petite côte. On s'est dit que c'était le premier col, qu'il n'était pas forcément très haut, hein, un peu plus de 1600 mètres d'altitude.
Par rapport à ce qui nous attendait, c'était pas grand chose. Et ouais, mais il attaque directement avec des gros pourcentages. Les trois derniers kilomètres à 10% de moyenne, le dernier kilomètre à 11%. Et sous une chaleur extrême. Oui, il faisait lourd. On se tâtait un petit peu quand même pour savoir si on pouvait aller plus vite, on pouvait aller moins vite, il fallait se préserver pour la suite. De mon côté, j'ai choisi de me préserver. Et je crois qu'Albert aussi. Petit passage par la vallée du Reposoir et direction les derniers pourcentages qui étaient assez élevés. C'est la vallée du Reposoir. Là, tu m'as battu sur la topographie et sur la toponymie, Valentin. C'est les Alpes du Nord, tu me battras dans les Alpes maritimes. Et oui, le Reposoir qui n'était pas si reposant. Bon, à 3% ça allait comparé aux 10% qui nous attendaient dans les 3 derniers kilomètres. Oui, et d'autant plus que pour les 3 ou 4 derniers kilomètres, on voyait le sommet. La fin était quand même assez rectiligne et on pouvait pas manquer de constater ce qui nous attendait. Ouais, le sommet paraissait super proche, mais quand tu voyais les bornes 4 km, tu te croyais au Mont Ventoux. Et quand on arrive au sommet, Valentin, tu nous as fait une magnifique démonstration de Skidding Trapsten et de Skidding. De Sitting Trapsten. C'est une figure de vététiste, tu peux pas comprendre. Je peux pas comprendre car c'est une figure de vététiste. Prends ça dans les dents. Désolé Hugo, je sais que t'as fait beaucoup de VTT à la Paz, mais... Et ça là, Hugo, regarde ça. C'est magnifique, non? Waouh. Je crois qu'on peut féliciter Louis et Albert. C'est à leur drone qu'on doit nos plus belles images. Descente. Rapide, très rapide. Tu m'étonnes, on était pressé d'arriver. Bah ouais, fallait arriver avant 17h. Et avant Louis et Albert, regarde-les les deux là, ils prenaient tous les risques. Faut remarquer quand même que c'est des bons descendeurs. Mais moi, j'aurais jamais osé les suivre. Et encore, c'est que le début de la route. Vous allez voir dans la suite. Ouais, t'as peut-être bien fait. Allez, direction le Grand Bornand. On arrive au Grand Bornand, on prend la direction du gîte. On a bien rentré l'adresse, hein. Et oui. Et pourtant, on arrive au bout de la route. On était encore à 1 km. Et l'asphalte laissait place à un vieux chemin de terre. On s'est dit, mais y aurait-il une erreur de calcul? Bon, on fait quoi? On continue sur ce chemin ou est-ce qu'on fait demi-tour? Eh ben, on n'était pas d'accord. Et comme on n'était pas d'accord, eh ben, on s'est séparés. Deux d'entre nous ont pris la bonne décision, je pense. Vous devinerez de quel groupe j'étais. De continuer par le chemin de terre parce que c'était plus court et surtout ça permettait d'éviter de redescendre pour ensuite remonter au gîte. Et Louis et moi, on a choisi la méthode classique, on prend la route. Exactement, Valentin et Louis, quant à eux, ont choisi de rebrousser chemin, descendre dans le village et prendre la route pour remonter au gîte. C'était peut-être pas la bonne solution parce que arrivé au pied du gîte, on était face à une côte de 12%. En tout cas, on est arrivé avant vous, non? Alors ça, je crois pas. Ok, on est arrivé après vous, mais au moins, on n'a pas abîmé nos pneus. Valentin, mon pneu Hutchinson, il a quand même tenu 5800 km. Si t'avais eu un pneu Michelin, il t'en aurait tenu 10 000. Donc là, on attaque l'étape 2. L'étape 2 et l'étape 3, c'est deux étapes relativement courtes et avec peu de dénivelé en comparaison du reste. Et que ça nous a quand même drôlement bien réussi, parce qu'on est tous arrivés au bout. Alors qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Aujourd'hui, nous attend deux petits cols, fort sympathiques, et de belles rencontres. Ah, des belles rencontres, tu l'as dit. Bon, c'est quoi le premier col? Eh bien, c'est un col qui nous a ravis. Ouais, on attaque directement le premier col dès la sortie du Grand Bornand, direction la Clusa et le Val d'Arly. Il y avait pas mal de monde dans ce col. Bah oui, hein, on était dimanche, beaucoup de trafic dans la Clusa. Beaucoup de trafic, des motos, des voitures, des cyclistes. Et pas n'importe quel cycliste. Ah, on n'est pas tombé sur n'importe qui. On avait vu sur Strava qui s'entraînait dans le coin. La FDJ, l'équipe professionnelle de la FDJ qui montait des aravis en même temps que nous. Exactement, on les a croisés une première fois alors qu'ils descendaient dans le bas du col. Et ils nous ont redoublé avec Albert dans la partie haute du col. C'est là que j'en ai profité pour envoyer un petit message à Louis qui s'est fait un plaisir de redescendre pour remonter avec eux. Et ça, la regarde, c'est magnifique. Ce relief-là, c'est typique des Aravis. Juste alors qu'on attaquait la descente côté Val d'Arly, sous nos yeux se déployait le Mont Blanc et son sommet enneigé. C'est la seule étape où on verra le massif du Mont Blanc. Regarde, c'est quand même magnifique. À droite, les aiguilles de Trélatête, l'aiguille des glaciers. À gauche, les aiguilles de Chamonix et en face, l'aiguille du Goûter avec le refuge. Mais Valentin, t'exagères, il est pas 4h et tu parles déjà de manger. Ça va, ça se déguste avec les yeux ce paysage. Allez, direction Flumet pour notre première descente du jour.
avant d'attaquer la deuxième difficulté. Une descente assez roulante avec des lacets au sommet, un petit faux plat descendant jusqu'à Flumet et plein de voitures. Des motos, des voitures avec beaucoup de plaques suisses. Donc nous, on a choisi de faire la route des Grandes Alpes à vélo, mais sachez que cet itinéraire se parcourt aussi bien en moto et malheureusement pour nous, en camping-car. Ok, juste le temps de se ravitailler en eau et on est parti pour le deuxième col de la journée. Le col des Saisies, avec la station du même nom au sommet, qui culmine à 1650 mètres. Et on entre dans le Beaufortin. Le Beaufortin. Mais je me souviens pas avoir vu de fortification au sommet. Non, il va falloir attendre le col du Télégraphe pour ça. Bon, la montée des Saisies, elle était quand même assez irrégulière. Ah oui, c'est sûr que pour être irrégulière, je l'ai bien senti. D'autant que c'est le seul jour où j'avais pas assez mangé avant, et du coup j'ai eu une bonne fringale dans la montée des Saisies. Heureusement qu'Albert m'a passé une barre. Faut mieux que ça arrive maintenant que dans un grand col. C'est vrai, parce que pour l'instant c'est que des petites côtes. Des petites côtes, je les ai quand même un petit peu senties celles-là moi. Mais oui, mais Valentin, c'est parce que tu venais de Touraine. Ouais, à part l'île de Ré, c'est difficile de trouver plus plat que la Touraine. Bon, les Saisies, qu'est-ce que t'en as pensé Hugo? Bon, c'était une station de ski en fait. Au-delà de la satisfaction d'arriver en haut d'un col, le paysage n'était malheureusement, en tout cas au sommet du col, pas au rendez-vous. À part des parapentistes et des vététistes, on n'a pas vu grand-chose. En revanche, dans la descente, c'était tout autre chose. Descente magnifique au cœur du Beaufortin avec les plus beaux sommets des Alpes. Regarde ça, le Mont Blanc, le Dôme du Goûter, que demander de plus? Mais Valentin, c'était pas l'aiguille du Goûter tout à l'heure? En fait, c'est compliqué parce qu'il y a l'aiguille et il y a le Dôme, mais bon, c'est pas la question, où est-ce qu'on va maintenant? Eh ben, on va à la fromagerie de Beaufort. Pardon, on va à Beaufort, c'est surtout pour dormir. Direction Beaufort. Ça va envoyer et ça va engager. Attention Hugo qui nous fait une démonstration. On va se mettre dans sa roue. Ça va envoyer et ça va engager. On va pas prendre de risque ici. J'ai pas envie de me faire soulever par une Nissan. Et encore moins par une Peugeot. C'était une descente assez roulante. Mais quand même très technique. Et quand je dis ça, je parle pas du profil de la route. Tu parles de cartographie là. Il y avait un changement de direction à un moment, non? Et je crois que Louis-Albert était parti devant, mais il savait pas où aller. Oui, parce que finalement, ils se sont retrouvés à devoir remonter un petit peu pour ensuite redescendre sur Beaufort. Ils ont pas vraiment pris la route des Grandes Alpes, mais ils ont fait un peu plus de dénivelé. Et puis on est tous arrivés en même temps. Ici, on rigole pas, on prend le parcours officiel et c'est pas autrement. Allez, on arrive à Beaufort, et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à Beaufort? On achète du Beaufort, et on le déguste. Et surtout, un petit conseil pour les amis cyclistes qui voyagent sur la route des Grandes Alpes, n'en achetez pas trop, parce qu'ensuite, vous devrez le transporter avec vous le lendemain. C'est vrai qu'avoir un Beaufort fondu sur sa sacoche, c'est pas souhaitable pour tout le monde. Il était suintant. Ça t'a pas empêché de le manger le lendemain? En descendant du Cormet de Rosenoy à Bourg-Saint-Maurice, j'ai mangé 200 grammes de Beaufort à moi tout seul. T'aurais peut-être dû le déguster ce soir-là, parce que ça t'aurait allégé pour ce qui nous attendait le lendemain. Allez, aujourd'hui, c'est encore une étape courte. Même si le Cormet de Roseland, il va faire mal. Il va faire très mal. C'est pour ça qu'on a choisi de partir en endurance. Un bon rythme, pas trop élevé, mais très régulier pour attaquer la première moitié du Cormet dans la forêt. Et puis c'était assez ombragé, donc ça allait niveau chaleur. Même si moi, j'ai commencé à transpirer à grosses gouttes avant même d'avoir passé le panneau de sortie de Beaufort. T'aurais pas dû forcer sur le fromage. Et pourtant, je l'avais pas encore mangé. Allez, aujourd'hui, direction la Tarentaise avec Bourg-Saint-Maurice. Et la seule chose qui nous en sépare, c'est le Cormet de Roseland. Un col magnifique, au pied duquel se trouve un lac et un barrage. Et au risque de me répéter, il va faire mal. Mais Valentin, t'es trop pessimiste. Regarde, on monte bien là dans la forêt. Et en plus, les paysages dès la sortie de la forêt étaient vraiment magnifiques. On a fait une longue pause d'ailleurs au bord du lac. Ah, une longue pause, tu l'as dit, beaucoup trop longue à mon goût. Toujours dans l'exagération. Et encore, t'étais pas au bout de tes surprises avec les jours suivants. Non mais c'est pas de ma faute si j'ai envie d'arriver avant 21h. On est arrivé un jour après 18h au fait? Ben, le dernier jour. À Nice, on arrive à 18h. C'était un jour de trop déjà. Alors par contre, le lac de Roseland, magnifique, avec le barrage. Et il faut savoir que le Cormet de Roseland, c'est un col en deux parties. La première partie jusqu'au lac qui monte assez régulièrement, ensuite une petite descente de 3 km, et ensuite une deuxième partie qui remonte. En tout cas, on était très en forme dans cette montée. On s'est bien fait plaisir avec un petit sprint pour l'arrivée. Et vous m'avez pas attendu en plus, j'ai déraillé. T'as déraillé? Mais Valentin, on était ensemble jusqu'à 500 mètres de la ligne d'arrivée.
Non, mais quand j'ai changé de vitesse 100 mètres avant la ligne, eh ben c'est pas passé. Ah, mais ça, ce sont les aléas de la course. Les rageux diront que c'était une excuse. En tout cas, de mon côté, le Cormet de Roseland, c'était le plus beau col de ces 9 jours. Ce qui est normal parce qu'il est situé dans les Alpes du Nord. Valentin, t'es sûr que t'as envie d'entrer dans ce débat? On y rentrera quand on arrivera dans l'Isoard. Et dans la Cailloule, et dans l'essentiel des cols des Alpes du Sud, en fait. Ok, la descente, il faut qu'on parle du fait que Louis et Albert sont encore partis devant et ils ont raté la pause au Chapieux. Et du coup, le plan drone qu'on avait envie de faire au croisement des Chapieux, on n'a pas pu le faire puisque le drone était déjà bien plus bas. C'était une descente super roulante, on avait le vent de dos et puis les pentes à 10% en ligne droite, ça nous a permis d'atteindre des vitesses super élevées. Alors par rapport à la non-pause des Chapieux, c'est un peu dommage parce qu'on aurait vu l'aiguille des glaciers qui est le deuxième plus haut sommet de la Savoie. Écoutez bien messieurs dames, car c'est l'une des seules pauses photos que Valentin avait voulu faire et on n'a pas pu la faire. C'est vraiment dramatique. Et donc pas de pause au Chapieux, on va directement à Bourg-Saint-Maurice, c'est ça? Bon, c'est vrai que c'était peut-être un petit peu dommage la pause des Chapieux, mais Valentin, tu connaissais bien et tu as pris beaucoup de plaisir, je crois, dans les lacets juste au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. Ouais, cette descente-là, je l'avais déjà faite en 2016, mais à pied. En fait, j'étais en rando dans le Beaufortin et il y avait du brouillard qui nous avait empêché de passer en Italie. Du coup, on avait dû redescendre toute la descente jusqu'à Bourg à pied. Et ben, je peux te dire qu'elle passe mieux à vélo. En bas du Cormet de Roseland se termine notre étape officielle à Bourg-Saint-Maurice, dans la vallée de la Tarentaise. Magnifique la Tarentaise, où est-ce qu'on dort? Le soir de cette troisième étape, on a dormi à Macolaplaine chez des amis de mes parents, qui ont gentiment accepté de nous héberger. Tu veux pas qu'on visite un peu Bourg-Saint-Maurice avant d'y aller? Oh bah ouais, ça te dit? On propose à Louis et Albert? Ben je crois que Louis est pas trop de cet avis. Ah oui, c'est vrai. Il a un peu faim et il avait envie de terminer l'étape une bonne fois pour toutes. Bon bah c'est pas grave, on va visiter à trois alors. Jour 4, ce jour-là, un mastodonte nous attendait. Le col de l'Isran. Le sommet de notre parcours. 2770 mètres d'altitude, c'est le plus haut col routier d'Europe. Bon, on part de Macolaplaine, on retourne à Bourg là, non? Bah, on rebrousse chemin 12 km pour rejoindre l'itinéraire officiel de la route à Bourg-Saint-Maurice, en direction de Val d'Isère et le col de l'Isran. Il y a combien de kilomètres jusqu'au col? 45 au moins. Ouais, presque 50. Et combien de dénivelé? 1900 mètres de dénivelé. C'est en fait comme enchaîner deux cols en un seul, puisque ces 45 km consistaient globalement en 15 km d'une première montée jusqu'au barrage de Tignes, une autre quinzaine de kilomètres à peu près à plat, et la fin, le col de l'Isran. 15 km qui nous amèneront de 1800 mètres au Val d'Isère jusqu'à 2770 mètres au sommet de l'Isran. D'accord, donc en collant deux parties quoi. C'était dur la première partie, il y avait beaucoup de trafic, on s'est pris quelques petites averses, c'était pas évident, et la montée était assez régulière. Premières averses du séjour et les seules, je crois. Allez, donc la première partie nous emmène au lac du Chevril à Tignes. C'est dommage qu'il ait pas fait super beau parce qu'on aurait pu voir le Mont Pourri sur la droite et la Grande Sassière sur la gauche. La Grande Sassière, 3700 mètres, c'est la plus haute randonnée de France. 3700 mètres, c'est pas tant que ça pourtant. Forcément, quand t'as vécu un an à 4000 mètres, 3700 mètres, c'est le niveau de la mer. Mais pourtant, on n'est pas allé se baigner. J'aurais bien aimé, il avait l'air sympa ce lac. Oui, j'avais aussi de grandes attentes vis-à-vis de ce lac, mais elles ont toutes été déçues malheureusement. On reviendra l'hiver quand il y aura un peu moins de pluie et plus de soleil. Allez, maintenant direction Val d'Isère et il y a un petit replat qui va nous emmener dans la dernière partie du col. Pour toi cette deuxième partie? Franchement c'était magnifique, en plus j'étais en super forme, Louis aussi, et on s'est bien fait plaisir dans cette montée. Faut dire que les paysages étaient grandioses, non? Les paysages étaient sublimes, en même temps c'est le plus haut point de la route. On a même eu droit à quelques congères. Et alors au-delà du paysage, on a eu la chance de croiser une deuxième équipe pro. C'est clair que le report du tour au mois de septembre doit y être pour quelque chose. Et ouais, parce que les AG2R étaient en stage à Val. Incroyable, non? Après la FDJ, on a croisé l'équipe de Romain Bardet. Ouais, quand on est arrivé en haut du col avec Albert, on a entendu un klaxon du Tour de France.
Et en fait, c'était la voiture AG2R qui remontait derrière nous. Et derrière la voiture, un grand champion du Puy-de-Dôme qui arrive au sommet du col juste après nous, sauf que lui, il l'avait redescendu et remonté pendant que nous, on le montait. Et ouais, Romain Bardet, c'est pas n'importe qui. Il avait l'air assez essoufflé au sommet. Il avait l'air concentré surtout. Je sais pas si ça lui aura réussi pour le Tour de France 2020. Il faisait froid en haut du col, non ? Il y avait un peu de vent, ouais, je crois qu'on va pas trop s'attarder. Pour la descente, on était quand même bien habillés, et on a bien fait parce qu'on est descendu très très vite. Plein gaz sur la haute vallée de la Maurienne. Va falloir qu'on s'y habitue à cette vallée parce qu'on va la parcourir de haut en bas. Et on commence par le meilleur, puisqu'on passe la nuit à 1800 mètres d'altitude, dans le petit village de Bonneval-sur-Arc. 1800 mètres, super bon pour les globules rouges, ça. Mais Valentin, il faut beaucoup plus de temps que ça pour s'y habituer. Ça va, on va monter le galibier demain, je prends un peu de réserve. Ça y est, on est parti. Albert nous fait son traditionnel plan fixe de départ et direction Saint-Michel-de-Maurienne pour descendre 60 km dans la vallée du même nom. Attends Valentin, comment ça pour descendre ? Il y a quand même eu un petit col à un moment. Mais Hugo, quand tu montes 2000 mètres la veille, faut bien t'attendre à avoir un peu de descente en répit. Il y a quand même eu une petite bosse à un moment. Et tu l'as bien senti cette bosse ? Bah oui, le col de la Madeleine, il était pas long, mais peu avant j'avais cassé mon câble de dérailleur. J'étais coincé sur le plus petit pignon. Non Hugo, t'as quand même fait réviser tes câbles avant de venir. Est-ce que j'ai réussi ? Mais non, tous les vélocistes étaient complets, et en plus j'ai eu que 3 jours. Eh bah super Hugo, hein, merci. Et ben voilà, la route des Grandes Alpes s'arrête pour moi malheureusement. Je serais bien allé plus loin, mais bon, c'était un plaisir de la faire avec vous. Non mais attends Hugo, on va appeler un vélociste, il y en a forcément un à Modane. Attends, dans les Alpes, comment on va trouver un vélociste ? On est au milieu de nulle part. Deux secondes. Ouais, il y en a un à Modane, c'est bon. Et c'est vraiment ce qui s'est passé en plus. En 10 minutes, ils ont réparé mon vélo. C'est quand même incroyable, non ? Super sympa, big up à Action Sport à Modane. Et maintenant, direction Télégraphe Galibier. Par contre, il faudrait pas qu'Albert tombe dans la descente, ça serait vraiment dommage. Et c'était plutôt un gros morceau, non ? L'enchaînement de ces deux cols représente 1950 mètres de dénivelé. Plutôt pas mal, on a intérêt d'être frais pour les attaquer. Heureusement qu'on n'a pas monté l'Isran la veille. Non, ça aurait été trop là. Bon, ça y est, Saint-Michel-de-Maurienne, on est parti, direction le col du Télégraphe. 7% de moyenne, petite mise en jambe avant le galibier. Petite mise en jambe, je sentais déjà bien les miennes. Heureusement, on va pouvoir faire une pause au sommet. Le col du Télégraphe, assez sympa, boisé, assez régulier, il est passé bien. Bah, passé bien, ça dépend pour qui, hein. Déjà, quand on était à Saint-Michel, on voyait à peu près le fort du Télégraphe très haut au-dessus, puisque la vallée est très encaissée, et franchement, quand je me suis dit qu'il fallait monter jusque-là, j'ai un petit peu paniqué. T'as raison, en plus on voyait pas ce qui nous attendait derrière, et ça faisait un peu peur. C'est vrai que ce col était régulier, mais il était quand même régulier à 7%. Ouais, l'important c'est de monter à son rythme. Les yeux rivés sur le compteur, hein. 111, 112, pas plus. Mais Hugo, tu parles de kilomètres par heure là ? Mais non, de pulsations cardiaques. Ah oui. Albert et toi, vous aviez les yeux rivés sur votre cardiofréquence-mètre. On ne dépasse pas les 130 en montée. Vous êtes vraiment incroyable. D'ailleurs, je vous ai proposé une petite balade pour se dégourdir les jambes. J'avais vraiment envie d'aller voir le fort du Télégraphe de plus près. Il paraît qu'on a une super vue sur la vallée de là-bas. Non Hugo, on n'a pas le temps, on va arriver à 22h et en plus il y a des orages qui arrivent, allez on se dépêche. Non mais Valentin, on est en vacances. Franchement, j'ai pas envie de faire la course. Ça serait quand même beaucoup plus sympa de profiter des points d'intérêt le long du parcours, non ? Vous voulez pas faire une pause de 10 minutes ? Non allez, c'est trop, moi j'y vais. Louis, Albert, vous faites ce que vous voulez, mais je commence à monter le galibier. On l'attendait tous, la voici. La seule embrouille du parcours entre le Télégraphe et le galibier. En même temps, faut comprendre Louis, tu lui as confié ton vélo, et lui il est reparti derrière parce qu'il avait envie de monter le col. Et le résultat, c'est quoi ? Je retourne à mon vélo, il n'y avait plus personne à côté. Mon vélo avait été confié à des touristes, j'étais derrière et vous étiez parti devant. Ouais, c'était peut-être un peu égoïste sur ce coup-là, j'avoue. Bon, après coup, je me suis bien rendu compte que ma pause, elle n'a pas été bien appréciée par tout le monde. On est tous arrivés en haut du galibier, et ce col, il était quand même super dur. Hein. D'un seul coup, la côte passe à 10%. Entre Valoir et le plan Lachat, ça commence déjà fort. Mais à partir de cet endroit, la route s'incurve rapidement sur la droite et les fortes pentes commencent. 9%, 10%. 9 encore, et ça dure pendant au moins 7 km. Ouais, c'était pas gagné avec le vent qu'il y avait et les pourcentages. Il y a ça, et puis au-dessus de 2000 mètres, il y a moins d'oxygène, donc c'est un peu plus dur. Faut dire que le Galibier, c'était le deuxième plus haut col du séjour. C'est pas pour rien que ce col est qualifié de géant. La cathédrale des Alpes. Et donc au sommet du Galibier, on quitte la Savoie pour les Hautes-Alpes. Mais surtout Valentin, où est-ce qu'on arrive ? Dans les Alpes du Sud. Donc finalement, on s'est tous retrouvés au sommet du Galibier, tout est bien qui finit bien. Mais surtout, symboliquement, nous avions tous atteint la moitié du parcours. Je t'avoue qu'avec Louis et Albert, on avait hésité à partir du galibier et à descendre directement avant que t'arrives parce qu'on voyait les cunimbres se développer au-dessus des écrins.
Je sais pas si vous auriez bien fait en fait, parce que finalement, la pluie nous a précédés et on est arrivé juste après. Nous n'avons pas été mouillés. On a évité l'incident diplomatique. Et du coup, il ne reste plus qu'à descendre direction Serre-Chevalier-Vallée, en passant par le col du Lautaret. Deux cols pour le président, ça se refuse pas. Très sympa le gîte à Sercheux. Ah oui, franchement, on avait la cuisine pour nous tout seuls. D'ailleurs, Valentin, t'as pas mis ta main dans un pot de chocolat ? Non, Hugo, fallait pas le dire ça. Première étape dans les Hautes-Alpes, Louis était aux anges. Ça va, calmez-vous, il n'y a rien de plus que dans les Alpes du Nord. Oula, Valentin, je pense qu'il faudrait que tu ouvres les yeux. Regarde, on commence par visiter Briançon et sa citadelle Vauban. C'est toi qui as visité Briançon, moi je me suis juste arrêté à une fontaine. Ok Valentin, t'as peut-être rien vu de Briançon, mais le col d'Izoard qu'on a enchaîné juste après, il t'a plu, non ? Ouais, il était pas mal, ouais, on peut dire ça. Tu rigoles, c'était un des plus beaux de la route des Grandes Alpes. Franchement, j'en ai pris plein les yeux. Ok, ça va, je retire tout ce que j'ai dit, le col d'Izoard était pas mal. Mais ça vaut pas le Cormet de Roseland. Ok, je pense que pour la paix dans le monde et la réussite de cette vidéo, il vaut mieux pas rentrer dans le débat. Mais bon, on reviendra l'année prochaine, jouer la revanche en faisant la roue des Grandes Alpes dans l'autre sens. Ok, donc le col d'Izoard, ça commence déjà, c'est des montagnes russes, c'est ça ? Non Valentin, des montagnes françaises. Faut être un peu chauvin, non ? Mais ce que tu voulais dire, c'est que ça monte et ça descend. Compliqué ce col, non ? T'es pas monté à 135 BPM ce jour-là ? Fallait pas le dire à mon directeur technique, ça. Non, franchement, l'ascension du col d'Izoard par le nord, c'était vraiment une splendeur. On commençait dans la vallée jusqu'au petit village de Servières. Ensuite, la pente s'est raidie brusquement lorsqu'on traversait l'alpage, avec de nombreux lacets à plus de 8% de moyenne sur les 10 derniers kilomètres. La route était parfaite. Pas mal de cyclistes dans la montée, on a un peu discuté avec eux. Ouais, c'était vraiment très chill. Ça a permis d'oublier un peu les pourcentages. À partir du refuge Napoléon, il ne reste plus qu'un kilomètre et on aperçoit déjà le monument au sommet. Le col d'Izoard, c'est 2360 mètres et il ressemblait pas du tout au col qu'on avait monté jusque-là dans les Alpes du Nord. On voit que le paysage a beaucoup changé. Lorsqu'on arrive au sommet, devant nous s'ouvre le parc naturel régional du Queyra. Ou alors Valentin, on dirait pas plutôt Queyras ? On dit Queyra, on n'est pas en Provence ici. Ah pourtant, on est déjà dans le sud. On attaque la descente sur un asphalte toujours aussi parfait. Direction Arvieux. Mais bon, il a quand même fallu remonter la casse déserte. Au bout de seulement 2 km, il faut dire que ce col, ce sont vraiment des montagnes russes. Mais les paysages étaient tellement beaux. Elle faisait 40 km cette étape, c'est ça ? Oui, elle était très courte et d'ailleurs on est arrivé assez tôt, c'est très bien. L'avantage de faire des étapes de 40 km, c'est que t'as tout l'après-midi pour faire ce que tu veux. Des courses notamment. Sauf quand il n'y a pas de supermarché à l'endroit où tu décides de t'arrêter. Ouais, c'était un peu galère de devoir descendre 2 km et d'en remonter 2. Mais bon, au moins on a pu acheter nos deux savanes essentielles à notre survie. Descendre 2 km et remonter ces mêmes 2 km à 8% avec le sac de course, et en plus il venait de refaire la route, on avait du goudron plein les pneus. D'autant qu'il y avait pas mal de soleil, je peux te dire que quand on est arrivé, on n'était pas fiers avec nos pneus remplis d'asphalte. Et nos sacs remplis de savanes, Valentin. Au menu de cette journée, nous passons du Queyra à la vallée de Lubaï par le col de Vars. Départ matinal, on est levé à 7h. De très beaux paysages, avec notamment la traversée des gorges du Guil, puis le col de Vars, qui nous mènera dans les Alpes de Haute-Provence. Donc on va traverser toutes les Hautes-Alpes. Oui, et même plus que ça, puisqu'on se rapproche de plus en plus du but de notre parcours. C'est quoi le but de notre parcours ? C'est la Corse. Non, je rigole, c'est Nice. Donc avant d'attaquer le col de Vars, on va descendre un petit peu et j'ai eu un peu peur pour mes pneus parce qu'ils étaient imbibés de goudron et je pensais que ça allait pas partir. Finalement, tout le goudron que j'avais sur mes pneus de la veille, il est parti en 500 mètres. On peut dire que t'as essoré ton nouveau pneu sur la nouvelle route. On peut dire ça, ouais, 300 tours minute. Allez, parfait. Direction les gorges du Guil. C'était pas mal, non ? Très sympa, très sympa. Je pense que ça vaut pas le Cormet de Roseland, mais c'était assez pittoresque. Valentin, cesse d'opposer les cols. En tout cas, quelque chose qui va tous nous mettre d'accord, c'est le col de Vars. Ah ouais, tu l'as trouvé difficile ? C'est juste que j'ai dû faire le tour du rond-point pour pouvoir partir sur le petit plateau. C'est une bonne façon de se mettre en jambes, ça. Heureusement que t'étais allé faire changer tes capes de frein la veille. Ouais, tu m'étonnes. J'ai peut-être pas pu faire réviser mon vélo juste avant la route, mais en tout cas, il en est ressorti comme neuf. Moralité, si t'as besoin de faire réviser ton vélo, fais-le pendant la route des Grandes Alpes et pas avant. Ne pas reproduire chez soi.
Le col de Vars, alors Valentin, il t'a paru comment ? Il m'a paru monté. C'est, on aura au moins appris ça au sixième jour de la route des Grandes Alpes, c'est que parfois, ça monte. Merci Valentin pour cette contribution. Et toi, t'en as pensé quoi ? Eh ben, franchement, j'ai adoré. J'avais retrouvé mes jambes, laissées au vestiaire dans le galibier, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. No king shaming, please. C'est vrai que sur le versant de la montée, il n'était pas forcément très intéressant, surtout avec une grosse station de ski 3 km avant le sommet. En revanche, la descente dans l'Ubaï, c'était vraiment le pied. Bah moi je l'ai pas trouvé exceptionnel ce col, il était assez irrégulier et puis il y avait pas mal de vent, donc quand tu veux pas dépasser les 130 bpm c'est assez compliqué de se faire plaisir. Ouais c'est sûr que 130 bpm c'est quand même pas beaucoup dans un col à 7%. Tu crois quoi, on court à la Chris Froome ici hein ? Ce col il culminait quand même assez haut hein, c'était l'avant-dernier col à plus de 2100 mètres d'altitude. Alors au col de Vars il y a une question qui a été soulevée quand même, est-ce qu'on a le droit de jeter notre peau de banane dans la nature ? Chaque fois que vous faites des débats intéressants, je suis en train de prendre des photos en fait. Chaque fois qu'on fait du vélo, t'es en train de prendre des photos, ça compte pas. C'est vrai, mais Valentin, depuis qu'on est passé dans les Alpes du Sud, tu t'es mis des œillères, c'est horrible. Moi j'ai qu'une envie, c'est arriver à Menton puis à Nice, le reste c'est accessoire. Mais enfin, d'accord c'est accessoire, mais tu peux pas dire que le petit village de Josier et la placette de Barcelonnette t'ont laissé indifférent. Et Louis s'est senti pousser des ailes quand on arrive à Barcelonnette, il se sentait vraiment chez lui. À Josier, petit arrêt pour regonfler nos pneus et puis direction Barcelonnette. Eh oui, et je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai vu sur la gauche le panneau qui indiquait la route de la cime de la Bonnette et ça m'a bien tenté. Malheureusement, c'était pas au programme de la route des Grandes Alpes. Ça t'a pas empêché de la faire 4 jours plus tard. Oh, ça va, hein. C'est quand même un grand nom des Alpes et franchement, je sentais l'appel. La plus haute route de France à 100 km de Nice, c'est quand même pas mal. C'est sûr que le sud des Alpes nous réserve beaucoup de surprises et beaucoup de records. On a été pas trop mal accueillis à Barcelonnette. La gastronomie, le parapente, les concerts, le rêve quoi. Tout ce qu'il te faut Valentin. Tu voudrais pas trouver un stage à Barcelonnette ? C'est en cours. On pense quand même aux Hautes-Alpes et quand on pense aux Hautes-Alpes, on pense à... Talard, juste à côté de Gap. Et à qui on pense quand on parle de Talard ? Le père de Louis, qui nous a rejoint pour cette 7ème étape. Armé de son vélo électrique, il a monté la cailleule avec nous en imposant un rythme tel la Team Sky. Un rythme très soutenu, tu veux dire. Et en vrai, c'était un super moment. On est montés tous ensemble, ce col super long, de plus de 25 km, dans une vallée où il y avait presque personne, sur une route minuscule. C'était le rêve. L'instant familial du séjour. Bon, arrivé au sommet, ça m'a pas empêché d'essayer de faire la course avec Louis et son père. Fallait faire gaffe dans la montée du col parce qu'il y avait des marmottes sur 15 km. Enfin, c'est ce qu'indiquait le panneau. T'imagines un tapis de marmottes de 15 km de long. Ah, le rêve. Et ce col, Valentin, il marquait notre entrée dans le dernier espace naturel du voyage et très honnêtement, l'un des plus beaux. Tu parles du Mercantour, là ? Le parc national du Mercantour. Je sais pas toi, mais ça fait partie des plus beaux paysages qu'on a vus sur la route des Grandes Alpes. Alors, quand tu me parles du Mercantour et de nature, je pense plutôt au Porsche et au Range Rover de Monaco qu'à un espace naturel. Pourtant, Valentin, le Mercantour, c'est encore les Alpes. C'est un énorme espace protégé dans l'arrière-pays niçois. Et le col de la Cayolle constitue une porte d'entrée assez remarquable, je dois dire. Je suis d'accord que depuis le col de la Cayolle jusqu'à Guillaume, c'était beau. Et puis, c'était le dernier col à plus de 2000 mètres du parcours, 2300. On est descendu de la Cayolle par le versant sud, dans la vallée du Var, et on en a vraiment pris plein la vue et plein les roues. Quand tu dis plein les roues, c'est parce que la route rendait mal ? Non, c'est surtout parce qu'elle était très technique. Une route très étroite et très sinueuse. Je pense que Louis et Albert se sont fait bien plaisir dessus, mais personnellement, j'étais un peu sur les freins. Ils ont peut-être été un peu déçus parce que tu leur avais vachement bien vendu les routes des Alpes-Maritimes. Hugo, t'avais un stock pour 10 ans en revenant de 3000 mètres d'altitude.
ça y est, on est arrivé au dernier jour, c'est pas un petit morceau qui nous attend, 160 km. On avait prévu 4 ascensions, 3500 mètres de dénivelé. Personne d'entre nous n'avait jamais monté autant en une seule journée. Bah ouais, tout ça pour arriver au bord de la mer. On a quand même monté 2 grands cols et on est passé par 4 vallées différentes. En attendant, on est parti pour notre premier col, le col de la Couillole, un peu après Valberg. Bon, on n'avait pas beaucoup de mérite, hein, puisqu'on avait dormi quasiment au sommet, mais c'était une bonne mise en jambe avant d'attaquer les deux autres. Ouais, en fait, il était à la même altitude que Valberg, on est juste descendu et remonté. La descente du col de la Couillole jusqu'à Saint-Sauveur-sur-Tinée, franchement, c'est l'une de celles que j'ai préférées sur tout le séjour. On descend sur une route extrêmement étroite et sinueuse, dans une vallée très encaissée. Et puis au bord de la route, toute la roche était rouge, c'était magnifique. Impressionnant même. Et on arrive au premier village de Saint-Sauveur-sur-Tinée, dans la vallée du même nom. Bon Valentin, c'est bien joli tout ça, mais les deux plus grosses ascensions de la journée nous attendent. On commence par laquelle? Ah Hugo, je suis pas très en forme, là je t'avoue que je vais peut-être descendre jusqu'à Nice moi. Heureusement qu'on a fait une étape en passant par plein de vallées qui nous permettraient de rejoindre Nice en cas de problème. Mais c'est pas ça qu'on a fait. On a attaqué le col de Saint-Martin jusqu'à la station de la Colmiane à 1500 mètres d'altitude. Mais attends Hugo, je comprends pas bien, c'est le col de Saint-Martin ou le col de la Colmiane? Disons que c'est un col qui s'appelait col de Saint-Martin avant qu'une station de ski soit construite au sommet. Alors par contre, gros coup de gueule pour ma part, pour toutes les voitures qu'on a pu croiser dans le col de la Colmiane et qui nous ont toutes klaxonné. Ouais c'est incroyable, dès qu'on arrive dans les Alpes-Maritimes, la prophétie se réalise. Allez, on va pas trop s'attarder en haut de la Colmiane, on a un bout de chemin qui nous attend, direction le troisième col de la journée. Et avant ça, on passe par la vallée de la Vésubie. Donc sur la descente de la Colmiane, on arrive à Saint-Martin-Vésubie. Je trouve que c'est assez émouvant de raconter notre périple à travers ces vallées maintenant, parce que début octobre, ces vallées ont été complètement ravagées par les intempéries, et aujourd'hui, elles sont extrêmement sinistrées. Par exemple, la route qui nous emmène jusqu'au col de Tirigny, bah aujourd'hui elle n'existe plus. Oui, c'est incroyable, elle a été totalement emportée par le courant. Faut imaginer qu'aujourd'hui, toute la région est à reconstruire. Oui, parce qu'il faut dire que toutes nos chevauchées à travers les Alpes-Maritimes, ça nous a quand même fait traverser les 4 vallées en une journée, et aujourd'hui, il serait même plus possible de n'en traverser ne serait-ce qu'une seule. Allez, c'est parti pour le col de Tirigny, grand col du Tour de France. Grand col, qui va être facile, non? À peine plus de 1600 mètres. Bah ouais, c'est juste 1000 mètres de dénivelé, quoi. Non, en vrai, c'est normal, on a beaucoup descendu et c'est un col qui est super raide, donc forcément, il passe mal, d'autant plus qu'on est dans les Alpes-Maritimes et que du coup, c'est la pleine chaleur. C'était vraiment étouffant, la montée du col de Tirigny. Et en plus, je commençais vraiment à sentir la fatigue accumulée dans la semaine. Et ouais, c'est ça de courir aux sensations. Si t'avais eu un capteur cardio, t'aurais pu t'économiser pour pouvoir mieux gicler dans la dernière étape. Non, mais tu rigoles? J'aurais eu les yeux rivés sur mon écran au lieu de profiter des paysages. Non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est juste le Cormet de Roseland et la mer. Bon bah je pense que tu vas être servi alors, parce que le Cormet de Roseland, c'est fait. Et la mer, on va pas tarder à la découvrir. Bon maintenant il reste plus que 2 petites ascensions et en attendant, on commence par descendre par une route un peu gravillonneuse. Et c'était l'occasion de faire une pause magnifique au niveau de la chapelle Notre-Dame de la Menoure. Ça m'a rappelé des bons souvenirs d'ailleurs. Il y a un an, je m'étais retrouvé coincé pendant 2 heures parce que la route était fermée pour travaux, sans aucune information. Ouais par contre je vous propose qu'on s'attarde pas trop parce qu'il commence à se faire tard là. Bah oui Valentin, il est surtout bientôt l'heure de déjeuner. Alors par contre, je suis pas super d'accord pour faire un vrai déjeuner parce que j'ai quand même envie de pouvoir repartir après moi. Et du coup, le bon compromis, c'est de s'arrêter manger des sandwichs à Sospel dans la vallée de la Bévéra avant d'attaquer le col de Castillon. Et bah moi, je l'ai bien senti le col de Castillon. Je crois que j'étais dans la même situation. Je m'étais dit, c'est un petit col, 7 km, 5%, après les mastodontes des Alpes, on va même pas le voir. Et bah n'importe quoi, j'ai beaucoup souffert aussi. Et ouais, qui aurait dit que le col de Castillon allait nous achever, c'est quand même assez imprévu. Il est vraiment temps d'en finir. On arrive au sommet du col de Castillon. On passe le tunnel, et qu'est-ce qu'on voit Valentin? Un autre col? Mais non, ton deuxième but du voyage. Ah, tu parles de la mer là. La mer, exactement. Mais ouais, ça c'était excellent, une petite vue sur Menton, la Côte d'Azur. Pourquoi t'es déjà en train de repartir d'ailleurs? Écoute Hugo, j'étais pressé d'arriver, voilà, faut pas m'en vouloir. T'étais surtout pressé d'arriver à Bonaco. Allez super, direction Menton, qu'on en finisse. Mais attends Valentin, la route des Grandes Alpes, elle finit plus à Menton maintenant. Comment ça elle finit plus à Menton? Il faut aller jusqu'à Nice, et il y a un col de plus. Bon ok, on va jusqu'à Nice, par contre on fait pas une trop grosse pause hein. Mais Valentin, tu voulais vraiment en finir, hein? Et je crois que devoir refilmer ce plan au bord de la mer, ça a été un peu trop pour toi. T'es parti comme une balle. Non mais à un moment, avec les plans à la Caïsinaïstad, faut arrêter. On est venu là pour faire du vélo et pour arriver à Nice. Du coup, je m'en fous, je vais à Monaco. Effectivement, il est allé à Monaco. J'en sais quelque chose, j'ai dû l'accompagner. Ouais, pendant que Louis et Albert ont pris la haute corniche, nous avec Hugo, on est passé par la moyenne corniche pour passer juste au-dessus de Monaco. L'intérêt de la moyenne corniche, c'est que ça permet de bien apprécier la skyline de Monte Carlo. Après 8 jours dans les Alpes, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. C'est vrai que ça faisait pas mal plaisir de revenir à la civilisation. Après, est-ce que t'es sûr que tu voulais vraiment revenir à ce genre de civilisation? Bah en fait, j'étais pas trop mal dans les Alpes et j'avais aussi envie d'arriver, donc j'ai pas trop tardé à monter jusqu'à la Turbie. La Turbie, j'arrive même pas à imaginer comment on a pu en faire tout un plat. Mais pourtant, on avait fait tellement de dénivelé dans la semaine et le même jour que les 500 mètres de dénivelé pour arriver jusqu'au petit village, c'était vraiment trop pour moi.
Et ouais, au final, c'est les deux cols les plus bas, Aize et Castillon, qui nous auront achevé. Donc en arrivant au col d'Aize, on était sur la Grande Corniche et là, le panorama était splendide, avec une belle vue sur Saint-Jean-Cap-Ferrat. Franchement, on comprend pourquoi ils ont décidé de prolonger la route jusqu'à Nice. J'étais déjà allé plusieurs fois sur la Côte d'Azur, mais j'étais jamais passé sur la Grande Corniche. Bon, c'était notre dernier contact avec la montagne avant la promenade des Anglais. Le but ultime de notre parcours. Donc on descend la Grande Corniche pour arriver jusqu'au port de Nice et à la promenade des Anglais. La réadaptation à la civilisation a dû être assez rapide parce que pour faire du vélo dans Nice, il vaut mieux être vachement affûté pour survivre. Ouais, on se croirait à Marseille ou à Paris quoi. Bon, et bah je crois bien qu'on est arrivé, non? Et bah ouais, c'est incroyable, hein, mais c'est un projet de longue date et on est tous très heureux de l'avoir mené à bien. Honnêtement, avec mes tendinites, j'ai jamais cru que j'allais arriver jusqu'au bout. Mais c'était un vrai plaisir de partager ça avec vous. Et puis on doit aussi beaucoup à Pascal qui nous a gentiment hébergés à Nice. Alors Hugo, est-ce qu'on se le referait pas dans le sens inverse l'année prochaine? Bah écoute, avec plaisir, hein. Enfin, tu sais, ça sera plus dur. Pourquoi? Il y a 400 mètres de dénivelé en plus, ça correspond à l'altitude du lac Léman. Il faut bien y monter depuis Nice. Ah mais ouais, mais on n'aura qu'à partir du col d'Aize, comme ça on sera plus haut que le lac Léman et ce sera que de la descente. En attendant, portez-vous bien. C'était Hugo et Valentin depuis Chablis et Tours.